Hélène est une femme qui vit un drame absolument terrible, qui est la perte de son fils. Jérémy? Jérémy, réveille-toi! Jérémy! Pourquoi tu cries? Tu peux aller voir, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Jérémy! C'est quelqu'un qui bascule dans une dimension, si vous voulez, qui est inimaginable, enfin, je pense, de toute façon, pour n'importe quelle mère, n'importe quel parent. Il y a différentes façons de recevoir la mort d'un enfant. Il y en a plein de façons, ça a été traité de plein de façons. Elle est spéciale, Hélène, elle est très... C'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui a un rapport très fusionnel avec son fils, qui veut qu'on l'écoute, qui a un instinct. Regarde cette rayure blanche, là. Elle n'y était pas quand Jérémy a pris la voiture. T'es sûre? Certaine. Elle sort de chez le concessionnaire, cette voiture. C'est moi qui venais de lui acheter. Son combat, c'est de rétablir la vérité, sa vérité à elle. La police, t'en a pas parlé? Mais elle s'en fout, la police, elle s'en fout. Un gamin sous au volant d'une voiture sans témoin, ça leur suffit. Mais moi, je te dis, je suis persuadée que Jérémy a croisé quelqu'un. Mais oui, un salopard l'a balancé dans le fossé, ça, c'est la preuve. Elle s'accroche à ça. Et c'est son chemin à elle. Et elle est seule, elle s'enferme dans une solitude. C'est pas malade. Je voulais savoir qui on enterre. Cette souffrance, cet horrible drame l'amène dans un truc où elle se dit « Mais personne ne me comprend. Personne ne comprend ce que je vis. Personne ne peut saisir vraiment. Et personne ne me croit. » Et moi, il fallait absolument que le serrurier me dise la vérité, que ce soit lui qui me l'avoue. J'étais prête à tout pour ça.